docteur Ludo. Du sirop d'altozo et de l'air en suppos, il a ce qu'il te faut. Si t'as des poils dans la main, aussi frisé que ton chien, allô, docteur Ludo. Si t'as le nez constipé, que t'arrives plus à te moucher, allô, docteur Ludo. Alors en fait, ce surnom, c'est, ça vient de quand j'étais à l'école, depuis le lycée, on m'a toujours appelé comme ça. Enfin, c'était Arnaud en verlan. Alors Olive et moi, ça vient de mon premier album de chansons. En fait, moi, j'ai le goût des duos. Je fais beaucoup de duos. Donc, je faisais les deux voix. Donc, je faisais la voix lead et la réponse. Je faisais les duos moi tout seul. Et donc, pour se moquer de moi, pour me taquiner, mon directeur artistique du label de l'époque, qui était le label Tôt ou Tard, il me disait, bon, bah donc, quand il me présentait aux autres, il disait, voilà, ça c'est Olive qui chante avec lui-même. Et donc, après, c'était, voilà. Mais avec qui tu chantes, Olive? Bah, je disais, c'est Olive et moi. Voilà. Et ben en fait, sur le livre, on s'est rencontrés une première fois quelques jours avant d'enregistrer l'histoire avec François Morel. Arnaud a reçu le texte, il l'a lu. Bon, comme il avait quelques difficultés à le comprendre parce qu'il est illustrateur, donc je lui ai expliqué de quoi ça parlait. Donc on s'est vu, on a discuté, on n'a pas vraiment discuté forcément du livre, on a plus discuté un peu de choses qu'on aimait ou de références communes. Bon, on s'est beaucoup parlé au téléphone en fait. On a échangé des idées au téléphone. Et puis après, c'était plus compliqué parce qu'il a fait les illustrations quand il travaillait à New York. Donc on s'échangeait pas mal de mails, mais c'était très classe d'avoir un illustrateur qui travaille à New York. J'ai travaillé dessus, mais vraiment librement. Enfin, il voyait les dessins au fur et à mesure et ça, je sais pas, il était satisfait ou ça lui plaisait. Après, on revoyait peut-être quelques points sur les personnages, peut-être certains traits de caractère, mais sinon après toute l'ambiance du livre, c'était un peu, je faisais ce que je voulais, quoi. Sur le personnage principal, par exemple, Docteur Ludo, on se posait des questions existentielles du style, est-ce qu'il est frisé? Est-ce qu'il a une grosse barbe comme ça? Est-ce que c'est la barbe plus courte? Voilà, donc on discute de petits points de détails comme ça, d'accessoires des personnages. Et ça se passe très bien parce que, comme il est très doué, voilà, on se comprenait très bien. Et ça, c'est, voilà. Et essentiellement, donc, par téléphone et par mail, via New York. Donc c'était vraiment sur des détails, donc ça s'est fait assez naturellement, puis après on est resté en contact parce que je sais pas, on a des affinités où on s'entend bien sur notre manière de voir les choses ou de travailler. Comme ça, je pense que c'est plus c'est des influences. J'aime beaucoup des illustrateurs comme des classiques comme Tommy Ungerer ou j'aime beaucoup le travail de Kino. Et c'est plein de gens qui depuis que je suis tout petit ont nourri mon imaginaire ou les livres que j'ai pu acheter. Il y avait Richard Scarry aussi. Je pense que c'est des illustrateurs qui sont assez importants dans mon travail parce que c'est des livres que j'ouvre toujours, même si je les connais depuis longtemps. Pour faire court, en chanson, le premier qui me vient à l'esprit, parce qu'en plus il y a lien avec la jeunesse, même si c'est pas un auteur jeunesse, c'est Bobby Lapointe. Mais ça peut être Gainsbourg, ça peut être Bachung par le biais de Jean Fauque, des auteurs comme Jean Fauque, mais enfin, il y en a énormément qui utilisent des allitérations, les jeux de mots et des calembours parfois très mauvais, quoi. Et souvent plus il est mauvais, plus il est rigolo aussi. Alors, après il faut l'assumer. Hein. J'ai tellement peur d'être malade, je deviens malade de peur. Je claque des dents, je deviens blanc. Emmenez-moi chez le docteur, j'ai le trouillomètre à zéro.
qu'à l'idée de faire une radio. J'ai peur qu'on me fasse une piqûre juste à cause d'une égratignure. J'ai tellement peur. C'est assez rare parce qu'en fait j'aime bien écouter de la musique, mais quand ça dépend sur quelle partie du projet. En fait, quand je suis en train de dessiner, j'aime bien un peu me plonger dans un vraiment que ce soit vraiment calme. Je sais que je travaille beaucoup plus facilement, par exemple même le soir tard que dans la journée. C'est assez rare que je travaille en musique. Je vais peut-être plutôt écouter de la musique une fois que j'ai arrêté de dessiner ou avant de m'y mettre. Et puis quand je fais des pauses, par exemple, je vais faire une pause et je vais écouter de la musique, mais faire les deux en même temps, je pense écouter de la musique, je vais être trop attentif à ce qui se passe dans les chansons, dans l'album, et du coup ça va tout de suite me dissiper et j'ai plus avoir envie de dessiner ou de travailler. Donc non, franchement, je travaille assez souvent dans le calme, le silence. Non. Alors plusieurs fois, je me suis posé la question parce qu'effectivement, les musiques que j'ai faites pour les livres jeunesse. Plusieurs fois, je me suis dit, tiens, je pourrais tout à fait les utiliser, effectivement, les jouer en concert, mais à condition quand même pour certaines d'en changer le texte, je pourrais tout à fait le faire. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais tout à fait le faire. Bon, ça serait un petit peu une paresse aussi, parce que comme j'écris beaucoup de chansons, j'ai toujours l'impression que les nouvelles chansons que j'écris sont meilleures que les précédentes. Peut-être une illusion, mais du coup je préfère en écrire de nouvelles que me servir de que de recycler des chansons jeunesse, mais il m'arrive de me poser la question quand même. Oui, c'est pas impossible, peut-être je le ferai, ça pourrait arriver, on n'est pas à l'abri de ça. La plus mauvaise critique. Alors, la plus mauvaise critique qu'on m'ait faite, c'est bof. Après, j'ai jamais eu de retour. Négatif. Je pense que les gens qui aiment pas, ils me le disent pas et puis ça les intéresse pas, ils ouvrent même pas les livres. J'ai jamais eu la chance de me faire découper par une critique. Je pense que ça arrive quand on a vraiment un gros succès. Et qu'un type se dit, bon là, celui-là, je vais me le faire, je vais le découper en morceaux. Quand c'est mon cas, qu'on a un succès, on va dire, qui a un succès moyen, eh ben, on est assez tranquille, en fait. Les critiques ne sont pas trop méchants, ils sont plutôt bienveillants. Et le pire que je puisse avoir, c'est moyen, oui, c'est pas mal. Voilà, que le mec, il a un avis tiède, en fait. Mais je préfère les avis tranchés, moi, parce que sinon, on a rien à discuter, quoi. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, tout est très élogieux, donc tout va bien. Le docteur Ludo, c'est une sorte de médecin, sauf qu'il ne soigne pas les humains. C'est un peu comme un vétérinaire, mais il ne s'occupe pas des animaux. Non, lui, il soigne les jouets, les peluches, les poupées, les doudous. Sur la plaque dorée de sa grande maison, on peut lire... Docteur Ludo, doudoutologue diplômé en bobologie de la Diafoirus Academy. Pas encore, non. En fait, comme il vient juste de sortir en librairie, moi je l'ai eu vraiment en même temps, j'ai reçu le livre en même temps que sa sortie. Et j'ai pas forcément dans mon entourage des enfants proches à qui je pourrais le montrer aussitôt. Donc là-dessus, je sais pas encore, ouais, le retour d'enfant. Peut-être que du côté d'Olivier, il a peut-être des retours. Oui, et je suis content parce que objectif atteint. C'est-à-dire qu'il trouve ça rigolo. Ils sont très curieux du personnage du docteur.
Et surtout, ils me demandent s'il existe et ils aimeraient bien avoir une consultation avec le docteur. Donc, c'est parfait. Par contre, je sais que là, comme ça arrive avec les fêtes, Noël et tout, je vais peut-être en envoyer à mes cousins qui ont des enfants qui, justement, pourraient après me dire « Tiens, comment ça a été perçu ?» En plus, c'est assez drôle parce que mon cousin s'appelle Ludo, donc ça va être, le cadeau approprié. Ma sœur et moi, on l'adore. Il est gentil, il est doux, il est rigolo. Et quand il guérit nos jouets, on est tellement heureux que ça nous fait du bien à nous aussi. Le docteur Ludo, c'est un médicament à lui tout seul. Comme ça, c'est la salle qui est sur fond un peu noir-bleu avec le bandit, la sorcière, le vampire. C'est une page au début où j'ai eu beaucoup de mal à me dire « Tiens, comment je vais pouvoir la traiter ?» Parce que ça parlait de vraiment de plein de choses et puis avec des anecdotes passées tout en étant dans un moment présent où l'enfant raconte ses problèmes et puis j'avais trouvé ce truc de faire cette espèce de portrait un peu comme une photo de classe de monstre et de bandit ou essayer de elle fait pas peur parce qu'ils sont tous un peu sympathiques. Mais je pense que ouais, c'est une des pages qui me plaît le plus. Bah attends, mais là tu me demandes quelque chose, c'est impossible. Là, toutes les pages sont mes enfants. Alors je vais quand même en citer un parce que c'est celui où il y a la confusion entre la vieille poupée et la mémé à la maison et qu'on ne sait pas de qui on parle quand il s'agit d'abandonner l'une ou l'autre, quoi. Parce que c'est un moment de rendre comique un moment tragique. Et ça, c'est toujours assez jouissif de travailler sur un sujet comme ça, surtout dans un livre jeunesse où, en principe, ça n'a pas tout à fait sa place. Enfin, on considère que ça n'a pas sa place. Moi, j'estime que si. Voilà. À condition que ça soit drôle. Voilà. Enfin, je sais pas, j'espère que c'est drôle. Sinon, c'est... Et j'aime bien, en fait c'est pas forcément super-héros, mais j'aime bien le personnage par exemple de Pierre Richard dans ses films où il est toujours la personne qui se pense un peu supérieure aux autres, mais en fait qui est complètement maladroit, complètement ridicule et tout le monde le sait sauf lui. J'aime bien aussi les gens qui se prennent pour justement des gens un peu exceptionnels, mais en fait qu'ils sont pas et qui sont même pires que les autres. Je vais être un peu faillot, je vais dire François Morel. Non, docteur Ludo. Alain Bachung. Non, j'en ai plein. En fait. Alain Bachung. T'as des poils dans la main, aussi frisé que ton chat. Allô, docteur Ludo. Si t'es myope des oreilles, ou piqué par une abeille. Allô, docteur Ludo. Si t'as le nez constipé, que t'arrives plus à coucher. Allô, docteur Ludo. Des granules, des granules, des massages et des chatouilles. Là, ce qu'il te faut, docteur Ludo.